Bonsoir à tous. Ils ont 6 photos pour résumer une vie. 3 qu'ils ont choisies, 3 que nous leur avons imposées. Ils se succéderont, ils se parleront aussi. On va commencer par un funambule dont la vie ne tient qu'à un fil. Pierrot lunaire, halluciné, il s'appelle Pierre Palmade. Un père trop tôt disparu, une mère aimante, des sœurs, une mère de théâtre, Jacqueline Maillan, une sœur de scène, Muriel Robin, un univers au fond très féminin et un homme qui se cherche avec toujours une infinie sincérité, vous allez le voir. Eh bien écoutez, d'abord je suis très 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 ému et impressionné de découvrir que voilà, il a suffi d'apprendre que vous veniez pour apprendre que la scène était prolongée d'un mois et demi, puisque vous allez jouer le comique jusqu'à la mi-avril. Oui, mais voilà. Ça se continue, elle marche bien, elle continue. Le comique au Théâtre Fontaine à Paris. De la chance. Il aimait la vie. Lui, oui, il aimait rire. Les gens qui l'ont connu sont troublés. Je lui ressemble énormément. Donc, ce qui était très troublant pour ma mère. Oui, il avait aucune raison de disparaître, comme beaucoup de gens, mais... Il aimait beaucoup les serpents. Ah oui, c'était étonnant. Il collectionnait les reptiles Les reptiles et les crocodiles. On avait une grande pièce dans la maison où il y avait deux crocodiles, des varans et des pitons, et évidemment des souris qu'il élevait, qui partaient dans toute la maison, et ma mère hurlait en ouvrant les draps avec des souris dedans, et des fois des serpents qui s'échappaient, parce que autant il accouchait bien les femmes, parce qu'il était un bon obstétricien, mais il faisait très très mal les cages à serpents, et il s'enfuyait pas mal. On est obligé de vous poser la question, mais vous aimeriez mourir sur scène, comme Molière, enfin, qui est mort hors scène, mais quand même pratiquement sur scène. Et l'humour, c'est vraiment la politesse du désespoir, comme l'ont écrit un certain nombre de penseurs. Il y a toujours cette phrase qui est affreuse par les foules, dans les stades de football, arbitre enculé, dégagement du goal à chaque fois. Et il y a une photo là qu'on a choisie de 98 sur cette victoire de la France sur le Brésil 3-0. Vous aimez ces atmosphères de stade où elles vous gênent, vous les trouvez justement homophobes. Je vais vous poser deux dernières questions et la troisième sera posée par un homme politique justement. Première question, ce sera une question rituelle tout au long de cette émission. Régulièrement, je demanderai à chacun s'il fallait résumer votre vie, le titre du roman de votre vie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous choisiriez comme titre? De 0 à 40. Oui. 40 ans. À cette époque, d'ailleurs, assez longtemps, depuis l'âge de 9 ans, je crois, jusqu'à l'âge de 20 ans, vous avez été scout. Ça avait beaucoup d'importance pour vous, cette idée de énormément. Servir les autres? Une partie de la violence de certaines jeunesses, c'est d'être complètement responsable, physiquement, et de ne pas l'être civiquement ou socialement. Ce que vous avez ressenti quand vous étiez en voyage en Finlande et que vous avez sauvé un enfant pratiquement parce que vous avez eu un bon réflexe oui, de scout. Oui, je me rends compte maintenant que c'était pas très vieux, je devais avoir 19 ans, j'étais chef scout. Il a fait une péritonite. On était au cercle polaire et c'était très très compliqué une nuit de route, j'avais à peine le permis sur des routes en terre évidemment, passant par des bacs, etc. pour trouver un médecin une espèce de dispensaire pour sauver ce gamin. Vous vous dites vraiment que vous êtes responsable de son sort du sort de tous vos administrés? Ouais, mais en fait c'est la belle photo, ça serait une autre. Je ne sais pas si je peux montrer. À un moment donné, elle regardait, vous voyez ce qu'on voit là. Oui. Et en fait là, vous avez le papier peint, vous avez les traces de la plomberie, des tuyaux. Et elle m'expliquait qu'elle avait les larmes aux yeux. Elle me disait merci de démolir ce qui était inacceptable aujourd'hui comme vie. Mais à un moment donné, elle avait eu 9 enfants. Deux ou trois étaient décédés. Son mari était décédé. Et au fur et à mesure que cette grande pelle mécanique, au fond, rentrait dans les pièces. Dans son intimité. Dans son intimité. Mmh. Et c'était son passé qui... Et elle pleurait, cette dame. Elle pleurait et elle disait merci en même temps. D'ailleurs, c'est tout le sujet de la rénovation urbaine de ce pays.